les personnes dont on soupçonne qu'elles puissent être décédées suite à une infection à la COVID-19 sont testées post-mortem et est-ce que ces données-là sont incluses dans les statistiques que vous nous présentez tous les jours? La très grande majorité des gens qui ont un diagnostic de COVID-19 ont passé un test là, maintenant, vu qu'on a le test de dépistage. Si des fois, par exemple, disons qu'on aurait deux personnes dans la même maison, il y en a un qui a fait la maladie, l'autre décède de la maladie, mais l'autre, on n'a pas de test, mais on va le considérer comme étant un cas. Parce que c'est un contact qu'on appelle un lien épidémiologique. Can you talk about your concerns about deaths being misreported by coronavirus because of either testing or standards for how they're characterized? So I think in this country we've taken a very liberal approach to mortality, and let's say the virus caused you to go to the ICU and then have a heart or kidney problem. Some countries are recording that as a heart issue or a kidney issue and not a COVID-19.